Coucou à tous, donc je reviens sur une vidéo pour deux petits hauls, un haul de Intermarché et un haul de chez des marchés aux affaires. Donc c'est un petit peu, voilà, donc ça fait ma deuxième vidéo du jour, donc ça fait ma deuxième vidéo d'aujourd'hui. Donc je sais pas si vous avez pu voir ma vidéo concernant ma routine du matin. Voilà, donc ouais, j'étais pas tout à fait en forme. Donc voilà, c'est vrai que ces jours sont pas tellement. Voilà, je me sens un peu délassée, un peu vraiment pas bien. Voilà, donc voilà, je ne vais pas tout vous étaler, hein, perso, voilà, ça concerne. Voilà, c'est personnel, voilà, donc je n'en dis pas plus. Donc je vais attaquer directement le make-up, et puis par la suite, je vous ferai voir le reste. Donc, pour le make-up, ah oui, j'ai été faire un petit tour aussi chez Lidl. Donc, il y a Lidl, il y a le marché des affaires, et puis Intermarché. Donc, je vous montre ceci, voilà. Donc, pour ce qui est de Lidl, du magasin Lidl, donc je me suis pris de la marque Sian, un anti-cerne, voilà, donc vous connaissez, hein, je pense que vous êtes la plupart d'entre vous à connaître ces produits-là de la marque Sian, voilà. Ah ouais, d'accord, donc comme vous le savez, hein, c'est en mousse, voilà, vous appuyez, vous faites venir le produit, hop, hop, et puis ensuite vous étalez le produit. Voilà, de la marque Sian. Voilà. Donc, moi, je trouve top. Donc, ensuite, pour ma part, j'ai pris. Alors, là, c'est nouveau. Moi, pour moi, c'est la première fois que je les vois. Donc, là aussi, caramel. Extra gloss. Voilà, au caramel. Ça sent bon, caramel. C'est glossy. Voilà, donc je sais pas si voilà, c'est glossy. Voilà. Ça sent bon le caramel. C'est comme si on mangeait du caramel. C'est top. J'en ai pris un à la pêche. Voilà. J'adore la pêche aussi. Donc voilà. C'est du gloss. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça sent trop bon la pêche. Voilà, donc là vous verrez un petit peu mieux. Voilà la pêche. Voilà, donc ensuite j'ai pris deux vernis, c'est des nouveaux. Voilà, deux vernis. Donc un métallique, hein. Love métallique. Voilà, et donc la couleur, je vous le swatch. Hein. Je vous swatch ça. Ah, ça m'a l'air très bien. C'est trop beau. Ah ouais, là vraiment c'est top. La couleur me plaît beaucoup. Voilà ce que ça donne. Vraiment c'est top. C'est joli. Mais vraiment c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi, c'est au top. Hein. Mais vraiment en perso, c'est génial. Celui-ci, maintenant. Voilà. J'espère que vous y voyez quelque chose. Donc, là aussi, je vous swatch. Voilà. Vraiment, c'est une jolie couleur. Vraiment, très beau. Vous voyez ? Voilà. Et des reflets, vraiment, c'est génial. Voilà, donc là, rien à redire sur le make-up, vraiment de la marque Sian, c'est vraiment super. J'ai pris des petites piles alcalines, donc c'est des, ouais, alcalines, non, c'est des Simply Duracell, voilà, c'est de la bonne marque, Duracell, voilà. Ensuite, j'ai pris des Bic, donc là, ça m'a l'air vraiment super, encre bleue, donc... Décorer le talon, okay. Ce sont des stylos Bic comme ceci. Donc après, je ne peux pas vous dire
ceci. Voilà. Voilà, je bouche là, hop, comme ceci. Donc ça m'a l'air sympa. Voilà, c'est un petit lot. Voilà, comme ceci. Voilà, donc après pour la petite dernière, je vais attaquer Intermarché. Alors Intermarché, je lui ai pris, là c'est Altaïa, Charlotte aux fraises, 2,99€. Voilà, donc la coupée, plus de particules. Et donc vous avez la collection, voilà, avec les poupées au parfum au choix. Voilà, c'est à collectionner. Donc, voilà la petite poupée. Voilà, Charlotte Fraise. Très mignonne. Pour la petite dernière, avec son petit chapeau. Voilà. Très sympa. Donc, oui, tiens. Voilà. Donc ensuite, on a un petit livre. Voilà. Petit livre. Tiens, le petit livre. On a une petite carte postale. Voilà, toute mini. Voilà. Là, c'est un autre. Vous l'habillez comme on l'a vu. Comme ceci. Vous l'habillez comme on l'a vu. Je vais déjà. Allez, tiens, prends ça. Hop, ça arrangera. Après. Voilà, donc maintenant je vais passer Intermarché. Donc, ah, puis j'avais oublié de chez Lidl. Et oui, je suis un petit peu. Voilà, donc j'ai trouvé ceci. Voilà, donc j'ai trouvé. Alors, de la marque Sian, c'est un démaquillant pour les yeux biphasé. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, c'est nouveau, j'ai pas, pourtant j'ai bien regardé la dernière fois, il n'y en avait pas, donc voilà, hein. Vous secouez la bouteille, voilà, c'est un mélange, et puis voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, ben, allez dans votre Lidl et voyez s'ils sont arrivés, voilà, donc, et aussi pour finir, là cette fois-ci, c'est la crème Sian Nature Crème Humain Calendula. Voilà. Donc. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Puis ça pue bien. C'est pas, voilà, pour les peaux. Pour les peaux. Pour les peaux sèches. Voilà. Pour les peaux sèches. Voilà, et c'est une 75 ml. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer Intermarché. Pour sûr. Donc Intermarché, j'ai fait quelques petites trouvailles. Donc Intermarché, j'ai pris une petite palette féerique, la palette féerique de la marque Enes. Alors déjà, j'en ai deux de cette marque-là, comme ça, féerique. Et j'ai pris la dernière, comme ceci. Enfin, l'avant-dernière, je préférais prendre celle-ci. Voilà. Donc là, nous avons le petit pinceau, bien sûr. Je m'en servirai pas. Voici les couleurs. Vous avez un noir. Nous avons comme un, on va dire un gris, hein. Pas tout à fait. Hein. Voilà. Cette couleur-là et cette couleur. Donc, je vous fais des swatchs. Je vous les swatchs. C'est bien pigmenté à mon avis, hein. Voilà. Ici, de même, très bonne pigmentation. Après, à tester, bien sûr. Voilà, ma vie, c'est la crème. Voilà. Très bonne couleur, hein, vraiment. Et là, le bleu. Vraiment, c'est très, très, très fort en pigmentation. Voilà, très fort en pigmentation. Voilà, donc, super palette. Sympa, voilà. Donc maintenant, voilà, donc là c'est deux rouges de la marque Enes, donc une couleur comme ceci,
Voilà. Mais alors, nous, nude. Nude, hein. Voilà. Voilà, comme ceci. On y va quand même. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Et celle-ci. Voilà. C'est la 07. Et celle-ci, c'est la. Ouais, bah, il n'y a pas de nombre. Hein. De toute façon, celle-ci aussi, c'est la 07. Mais... Voilà la couleur. Donc. Très jolie couleur, comme mauve, comme ça. Voilà. Très joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris de chez Rimmel rouge à lèvres liquide audace à toute épreuve. Voilà, couleur intense. Ouais, couleur intense. Nouveau. Voilà, la tenue 12 heures et ne transfère pas. Voilà, donc c'est comme ceci. Voilà. Donc le pinceau mousse. Hein. Et donc là, je le scratch. Il est très beau. L'odeur n'est pas désagréable. Ça va. 12 heures d'hydratation et ne transfère pas. Voilà. Donc c'est sympa quand même, la couleur est très très sublime. Voilà. Et donc j'ai repris, oui bien sûr, mais c'est la nouvelle palette de chez Je mets Maybelline. Voilà, donc c'est la nouvelle palette fard à paupières. Nouveau. Voilà, c'est celle-ci. Donc la dernière fois, je ne la trouvais pas. Et donc, je suis contente de la retrouver. Puisque j'ai déjà l'autre palette. La même n'est pas au niveau des mêmes couleurs. Donc là, je trouve que ce sont de jolies couleurs. Donc, voilà. C'est compliqué. Voilà, nous sommes arrivés, donc voilà la palette et les couleurs, ils sont magnifiques. Voilà, donc le packaging est vraiment super, rien à dire. Donc, voilà les couleurs, le petit pinceau, bien sûr. Voilà les couleurs. Alors vous en avez qui sont pailletés, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, très joli. Hein. J'aime bien. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. J'aime bien. Voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment de jolies couleurs. Vraiment, regardez, c'est magnifique. Et la dernière. Voilà. Donc ensuite, les deux derniers. Voilà. Donc, très fort en pigmentation quand même. Hein. Super les couleurs, c'est génial. Donc rien à dire. Vraiment super palette. Voilà. Oui, mais par contre, le prix est là, donc voilà, très joli comme couleur. Voilà, c'est vraiment très beau les couleurs. Voilà, très joli.
je suis satisfaite. Voilà, très jolie petite palette. Vraiment super. Voilà, donc ensuite, je vais passer maintenant le magasin Nuku. Donc, pour Nuku, j'ai pris, alors, ce sont idéales pour des crayons colle, des tailles crayons. Voilà. Voilà, pour tailler les crayons pour le maquillage. Voilà. Vous en avez une moyenne et une grosse. Voilà, avec le petit compartiment, hein, bien sûr. Voilà. Vendu. Deux. Voilà, super. Rien à dire. Ensuite, j'ai pris des nouvelles petites éponges. J'ai chaud de en jaune. Alors, si vous passez sur ma dernière vidéo de ma routine d'aujourd'hui, vous y verrez que j'utilise ces éponges jaunes. Là, ce sont des nouvelles. Voilà, ce sont des roses. Voilà. J'ai pris des petites barrettes comme ceci. Voilà. Très sympa. Donc, à mon avis, voilà, c'est comme ceci, hein, vous le faites passer par là et par là. Voilà, comme ça. Donc, à mon avis, hein, ça doit faire ça comme ça. Je suppose. Hop. Là, je ne sais pas si ça prendra. On va mieux voir ça un peu plus tard. Donc voilà, pour ma part, je trouve ça sympa. Voilà, des petites barrettes comme ceci. Donc ensuite, j'ai pris un dentifrice Aquafresh Triple Protection. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais passer au créa. Donc là, j'ai pensé en créativité. Donc, j'ai pris, alors, du fil élastique. Voilà, comme ceci. Fil linon, nylon, élastique transparent. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris des crochets pour faire des boucles. Voilà. Il y en a 6. Voilà. Là, ce sont des pinces plates à ruban. Voilà. Des pinces plates à ruban. Il y en a 18 en bout. Là, ce sont des embouts à plier. Il y en a 50. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, j'ai pris des anneaux. On en a 100 anneaux, voilà, des petits anneaux, voilà, là ce sont des aimants, mini magnettes, 12 aimants forts, voilà, des petits aimants, voilà, ensuite j'ai pris des tampons mousse, voilà, il y en a 3, j'ai pris, alors ce sont des ciseaux crampeurs, il y en a 2. Alors j'en ai déjà un que je vous ai déjà montré en vidéo. Alors là c'est arrondi, j'en avais de deux côtés, une arrondie et l'autre avec des dents. Voilà, que j'ai déjà. Donc c'est là, je ne sais pas s'il y a un seul côté ou deux. Je ne sais pas le dire. Donc là, il y a un côté comme ça et un côté comme ça. C'est pas, ouais, c'est pareil, hein. Non, c'est un peu différent. Il y a deux côtés. Voilà. Ah, c'est très sympa, vraiment. Voilà, ça fait à peu près, ça fait ceci. Alors en principe, je devrais avoir un modèle. C'est pas grave, celui-ci il fait comme ça, c'est super. Voilà, vendu par deux, donc super. Ensuite,
J'ai pris, alors là, ce sont des pompons pastels. Il y en a 120. Voilà. Alors, vous en avez des moyens, des tout petits. Voilà. Idéal pour créer ce qu'on veut. Hein. J'ai pris de la colle forte blanche liquide. Voilà. J'en ai repris. J'ai pris des chenilles. Voilà, il y en a 24 chenilles. Comme ceci. Voilà, bleu, jaune, marron, peut-être en noir, vert, orange, rouge. Ouais, j'en ai un aussi en noir. Voilà, de toutes sortes de couleurs. Voilà. J'ai pris des aiguilles Yama. Voilà. J'ai pris de la colle, des bâtons de colle. Voilà. Il y en a 12 bâtonnets. Voilà. Ensuite, j'ai pris des strass. Voilà, des strass. Il y en a 504 pièces. Je répète, 504 pièces. Voilà, ce sont des petits strass, enfin des moyens. Voilà, là j'en ai pris des plus gros. Il y en a 120 pièces. Là, 120, ce sont des plus grosses. Des strass. Alors, je les trouve pas mal. Voilà. Et là, j'ai pris un stylo de colle liquide. Voilà. Donc, qu'est-ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le faire. C'est bon. Voilà. Donc on appuie en bout et puis on se touche, je pense. Et voilà. Voilà. Idéal pour paillettes diamantines. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour finir, alors là, j'ai pris deux compresses Chopin. Voilà. Donc, peut être utilisé n'importe où ou n'importe quand. Voilà. Soulage les douleurs musculaires ou articulaires. Voilà. Donc, il y en a trois. Et je peux vous dire, je ne les ai pas payés cher. Pour les trois, je les ai payés 1 euro. Non, pour les deux, 1 euro et quelque chose. Voilà, ce sont des petites. Voilà. Il y a le mode d'emploi. Hein, voilà. Avec sa petite boîte. Voilà. Et voilà. Et donc, pour finir, donc je me suis repris chez Nuco. Hein, chez Nuco, l'huile de ricin. Alors, ça servira pour mes ongles. Voilà. Et donc, ça, j'ai pris de l'huile cosmétique à l'huile d'ail. Alors, vous allez me dire pourquoi. Parce que j'ai fait une allergie. Je ne sais pas si c'est un shampoing ou je ne sais pas. Entre guillemets, je ne sais pas. Pour tout vous dire, j'ai fait une grosse allergie. J'ai comme des boutons dans le cuir chevelu, derrière le cou. Et spécialement, j'arrive plus à me coiffer. Donc là encore, j'ai passé une brosse, mais qui est pas, qui me fait pas du tout mal. Donc pour ma part, j'en mettrai pas la nuit parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'odeur du tout. Mais il y a quand même une odeur quand même d'ail. Bon, vous allez me dire entre guillemets que l'ail, ça sent vraiment très fort. Ouais. Surtout quand on en mange le 1er mai, mais moi personnellement, pour moi, je n'en mange pas, donc je suis tranquille. Voilà, donc pour ma part, voilà. Donc, vous savez déjà que je mange pas d'ail. Voilà. Donc, ça, par contre, je l'ai pris. Je n'en avais rien à foutre. Alors, je me l'ai pris parce que c'est vraiment bien pour les... voilà. Pour elle soulage les démangeaisons du cuir chevelu. Voilà. Donc, moi, j'ai des démangeaisons. Ça me démange atrocement. Et donc, je ne peux plus. Malheureusement, je n'utilise pas mes ongles. Mais quand je fais ça, à peine que je le fais, je préfère arrêter. Je poserai ceci toute une journée et en fin de soirée, ben écoutez, je me rincerai, enfin je me laverai les cheveux avec, avec un shampoing à base de plantes, mais vraiment à base de plantes qui est vraiment très, qui est très doux pour les cheveux, mais qui me,
Voilà, donc spécialement, je ne sais pas qui, ce qui m'a rendu comme ça, je ne sais pas. Donc, pour ma part, j'ai pris ceci. Voilà, donc cette vidéo va se terminer. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Voilà, j'ai été à Intermarché, vous avez un haul de Lidl, Intermarché et le marché des affaires. Et Lidl, hein. Ouais, Intermarché, Lidl, Newco et le marché des affaires. Voilà, donc pour ma part, j'ai fait toutes ces petites choses. Voilà, donc j'ai fait de belles petites trouvailles, j'en suis satisfaite. Donc pour ceux qui vont aimer cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui n'ont pas aimé, bah, c'est comme ceci, on n'en a rien à foutre. Moi personnellement, je m'en fous, ça me fait des vues, voilà. Parce que après, soit quand on met des pouces comme ça, c'est qu'on n'aime pas, ou soit c'est une jalousie, voilà, que les gens portent. Mais bon, moi, personnellement, j'en ai rien à claquer. Voilà. Donc, moi, personnellement, ça me fait des vues. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, c'est très important. C'est pour ne pas rater les vidéos et de recevoir les notifications. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, commentez, voilà, likez, voilà, commentez, dites ce que vous en pensez, hein, de tout ce que, voilà, dites ce que vous pensez. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je remercie mes abonnés, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous envoie ce cœur qui défile vers vous tout doucement, voilà. Et donc, je suis arrivée à 333, j'étais arrivée à 335, mais pour ma part, soit on se désabonne de ma chaîne. Pour sûr, pour tout vous expliquer, j'ai un concours qui se prépare, mais pour ceux qui se désabonnent, pour ma part, je ferai une liste pour savoir ceux qui restent sur ma chaîne et ceux qui se... Voilà, parce que j'approuverai pas le fait qu'on s'abonne à ma chaîne. Qu'on s'abonne, ok, qu'on trouve ma chaîne top, ça, il n'y a pas de souci, je m'abonne, moi je fais pareil de même, voilà, je manque pas, je commente, voilà, je like, voilà. Mais pour ceux qui veulent s'abonner vraiment à ma chaîne et que ça leur intéresse, ben restez sur ma chaîne, sinon c'est pas la peine de s'amuser pour vous abonner et de vous désabonner, ça c'est pas, voilà, à moins après que ça soit YouTube bref, voilà. Pour sûr, je vous ai tenu au courant, je tiens au concours, je ferai ce concours, voilà, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous, passez une très bonne soirée, bye bye, à bientôt.